Salut, salut la team! Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Je me trouve actuellement à Chalon-sur-Saône. Non, à Villefranche-sur-Saône. Pas Chalon, mais Villefranche. Je m'en vais vider à Saint-Quentin-Falavier. Ensuite, je serai sur le Rhône-Alpes. Hein. Je serai dans le Rhône-Alpes. À la fin de la route, tournez à droite, puis au rond-point, tournez à gauche. Bonjour la team, bonjour tout le monde. Bon ben voilà, c'est une petite histoire qui se termine. Malheureusement, je vais arrêter pendant quelques temps les vidéos. Peut-être pour tout le temps, peut-être que je vais revenir plus tard, mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de tourner la page, hein. Je suis plus assez motivé pour faire des vidéos, surtout quand elles sortent et que vous avez beaucoup de commentaires négatifs, que vous avez très peu de vues aussi, hein. Donc, je pense que mes vidéos ne plaisent pas toujours, pas aussi bien qu'avant. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Je ferai des vidéos certainement de présentation d'objets ou autres vidéos de temps en temps. Mais pour les vidéos de la route, pour l'instant, je vais faire un bon stand-by. Je pense que je vais même arrêter peut-être définitivement. Donc, voilà, vous allez avoir la dernière vidéo. Bon, la chaîne va continuer, mais malheureusement, les amis de la route, les passionnés de la route, voilà, ça va s'arrêter là pour l'instant. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes continuations. Hein. N'hésitez pas à aller voir les chaînes de AB Truck, de Laurent Truck, et continuez comme ça. Allez, bye bye, je vous embrasse. Et à bientôt peut-être. Bye bye. Bah dis donc, il fait beau, hein? Il devrait faire beau aujourd'hui. À la fin de la route, tournez à droite, puis au rond-point, tournez à gauche. Tournez à droite, puis au rond-point, tournez à gauche. Entendu Sophie. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie.
récupéré l'autoroute et puis bah direction Saint-Quentin-Falavier. Après, on va vider à Saint-Quentin. 500 mètres, traverser le rond-point, deuxième sortie. C'est dur ce matin. Ah, il est 6 heures. On commence à avoir des moucherons plein les des bestioles plein les barreaux qui sont. Ah, il fait 9 degrés. Et on est le mercredi 20 avril. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Allez, on arrive au péage de Villefranche. C'est déjà bien. Ils annoncent pas d'eau en plus. On va pas par ici. Allez, on va pas tarder à passer devant le stade de Lyon là. On est sur la rocade de la nationale 346. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais revenir par ici parce que j'ai une livraison, un chargement à faire par ici. À Dissine-Charpieux ou Charbieux, je sais pas. C'est là, juste à côté là.
derrière le stade de Lyon. Chargement. Mais avant ça, j'ai une autre livraison à refaire à Genet là. Ça se voit que c'est les vacances de Pâques, il y a beaucoup moins de monde sur les routes quand même. Hein. J'ai remarqué ça hier déjà, parce que lundi c'était férié. J'ai remarqué hier que ça roulait bien. Et oui, lundi c'était férié, du coup on n'a que 4 jours cette semaine. On aperçoit le stade de Lyon là à droite. De Lyon, Groupama Stadium. Et là, le jour se lève là.
j'ai récupéré l'autobahn 90. Il nous reste 13 km avant d'arriver chez mon premier client. Péage de Saint-Quentin-Falavie. C'est quand même bien noir quand même là-bas au fond. Hein.
va bientôt sortir de l'autoroute. Là, ça y est, j'ai vidé mon client à Saint-Quentin-Falavier. Et je me trouve à 5 km de chez mon deuxième client. Donc, je l'avais appelé hier pour lui dire que ben, je passerai ce matin vers 8h, entre 8h et 9h. Donc là, je l'ai rappelé pour lui dire que ben, je serai là vers 8h. Il m'a dit ben, va falloir attendre un petit peu. Quoi. Il va y avoir personne pour l'instant. Ah, c'est un dépôt en fait qu'ils ont dans la zone là, à Genet. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'il faut les appeler avant d'aller livrer. J'avais déjà appelé hier pour lui dire que je serais là vers 8h30, 9h. Et en fait, je vais arriver là-bas, il va être à peine 8h. Après 800 mètres, prenez la sortie. Allez, on va prendre la sortie là. De Lyon d'Or. On est à 2 600 km. Juste et des barres de péage comme ça qui sont pas larges. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Je regarde parce que il doit y avoir un faux contact où il y a un fil qui fait pas bien contact là sur mon clignotant là. Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie.
droite, première sortie. Aller chez mon client là, mètres, au rond-point, tourner à gauche, deuxième sortie. C'est pas évident. Centre, on va bien voir par où il nous fait passer.
j'espère que ça va pas être trop galère pour aller là-bas. J'ai 5 km à faire. Traverser le rond-point, troisième sortie. Traverser le rond-point, troisième sortie. Oui, allô? Oui, c'est Bruno. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu pars charger là? Ah ouais? Pourquoi? Que je te prévienne tout de suite. Ouais. Organise-toi pour remonter au maximum. Sans non plus tout prendre par l'autoroute, hein, mais voilà. Demain, il y a de grandes chances qu'on tienne Croatie 15h. Ouais. Ouais, c'est tendu, hein. Je sais, mais c'est là, mais bon. Hein. Pas trop le choix. Alors après, si ça coupe dans la journée, je te tire au jus, mais il y a de grandes chances que de Grandvilliers, tu redégringoles à Compiègne faire la Croatie 15h. Okay. Je te mettrai celui en direct parce que le deuxième, je vais. Après, le deuxième, il est tendu aussi, j'ai failli te décrocher un point. Troisième sortie. Ok. Voilà, monsieur, un coup de charge tout à l'heure. Pour aller chez le client ici, là, c'est chaud patate, hein. Ouais, je vais aller. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Traverser le rond-point, troisième sortie. Vous avez entendu, hein, demain ça va être serré, collé, collé, serré. Donc là il me reste 2 km 300 à faire. Je pensais qu'il m'appelait pour me dire que c'était annulé la livraison et puis qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Enfin, que je charge ailleurs. Des choses qui peuvent arriver. Mais non.
reste à 1,6 km, mais c'est souvent les derniers kilomètres qui sont les pires. Ah, il y a des clients, c'est pas évident à trouver. Hein. Après 300 mètres, tournez à gauche. Bon alors, moi je vais chez Giffrey Berzeva. Pour aller chez client là, c'est un peu galère. Hein. Voilà la team, je suis arrivé chez mon client. À tout de suite.
Ça y est, j'ai chargé la team. Il m'a dit tu sors à gauche au rond-point au feu rouge à droite. Vous avez vu un peu comment c'est ricrac ici? À gauche, je suis arrivé de par là. Mètres, tournez à droite. Je suis arrivé de par là, après j'ai pris de l'autre côté. Tournez à droite. Tourne à gauche et rond-point à droite. Et au feu rouge à droite. Toujours tout droit. Charger dans des endroits qui sont pas toujours évidents, hein, vous avez vu un peu. C'est là que j'avais tourné, je crois. Tout à l'heure. Est, mes yeux. Ah, je suis bien arrivé de par là. Ici, quand il y a des jours de match, ça doit être terrible. Hein. Parce que c'est la route qui mène au stade.
400 mètres, traverser le rond-point, deuxième sortie. Bon, vous avez vu ce qu'il a dit, là, mon affréteur, il a dit dépêche-toi de remonter au plus vite. Hein. Alors, tu prends l'autoroute, mais tu prends pas toute autoroute. Hein. Il y a quand même 618 km pour aller jusqu'à chez mon client. 7h50 de volant, sachant que j'ai déjà 2h30 de volant. Deuxième sortie. Cette petite vidéo va se terminer là. N'hésitez pas à liker, partager. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, salut, à la prochaine pour nouvelles aventures. Bon bah j'espère que cette petite, cette dernière vidéo vous aura plu. Et surtout, prenez soin de vous. Hein. Et bah, j'espère revenir peut-être un jour. Allez, bye bye.